Un EHPAD va mettre des traceurs dans les pantoufles de ses pensionnaires pour éviter les fugues. Les 80 résidents d'un EHPAD situé à Arès, en Gironde, vont tous être équipés d'une puce collée à la semelle. Et ça, sans leur consentement préalable. Dès que l'un d'entre eux essaiera de franchir l'un des portails de l'établissement, les téléphones du personnel seront alertés. Le Canard Enchaîné explique que ce dispositif a été pensé après la disparition d'un pensionnaire début octobre. Le vieil homme a finalement été retrouvé dans le centre du village où se trouve l'EHPAD. Bon, après il faut savoir que ce genre de dispositif a déjà été utilisé dans plusieurs EHPAD français. Mais cette nouvelle, elle n'est pas anodine et elle inquiète la CNIL, la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés. En 2013, elle expliquait que la technologie remplace l'accompagnement humain. La CNIL affirme que les personnes vulnérables sont placées précisément dans ces établissements pour bénéficier d'un accompagnement humain en permanence. Pour l'instant, les résidents ne sont pas mis au courant de ce dispositif, leurs familles non plus d'ailleurs, elles ont seulement été prévenues par un compte-rendu du conseil de l'EHPAD.